s'est donné les moyens. On espère que les résultats seront là. Hein. On espère une année tranquille, non, parce que si on va vers les plus hauts, les Coupes d'Europe, ce ne sera pas une année tranquille, ce sera une année extraordinaire, heureuse. Mais voilà, on espère faire cette belle saison qu'on n'a pas pu faire encore et montrer que ceux qui vous font confiance, ils n'ont peut-être pas tort de vous faire confiance. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Content que vous soyez là, on aura besoin de vous et ça sera pour faire de belles choses ensemble. Voilà, merci de votre attention. Je vais laisser la parole à Thierry qui va nous présenter son groupe. Voilà, elles sont belles, elles sont magnifiques. Elles ont le sourire, c'est super. Thierry, tu as le sourire toi aussi. Allez. Quand on voit un tout petit peu ce qui se passe, c'est qu'il y a eu énormément de chamboulements quelque part entre les arrivées et les départs, dans le staff également. Aujourd'hui, souvent on dit que Rome ne s'est pas construit en un jour, mais Venelle, ça sera pareil. Et je pense qu'on a eu sans doute la bonne idée aujourd'hui de vouloir construire quelque chose de stable. Alors, pour effectivement essayer de tendre au meilleur résultat possible, ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire que sur la fin de la saison régulière, prétendre au moins jouer entre la 5e et 8e place, ce qui voudrait dire tout simplement qu'on jouerait également les playoffs et pouvoir, pourquoi pas, accrocher une place européenne. Après, je pense que avoir des résultats, et si c'est simplement ponctuel, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous, on essaye simplement de construire dans la durée, et à travers ça, et à travers tout ce qu'on a essayé de mettre en place aujourd'hui, c'est pour devenir vraiment stable et travailler régulièrement, et savoir que, dans le sens où, si possible, tout soit le plus professionnel possible. Voilà ce qu'on a essayé de mettre en place aujourd'hui, et j'en doute pas un instant, de par la qualité de tout le staff qu'on peut avoir, et également des joueuses qu'on est promis à faire, en tout cas, sans doute une belle saison. Voilà, merci à vous. Thierry ne s'est pas présenté, on en avait parmi les surnoms, lui c'est Hippo, c'est Thierry Hippolyte. L'an dernier il a souffert, hein. On est content qu'il soit resté avec nous. Ouais. L'an dernier il s'est laissé pousser le front un peu, il a perdu quelques cheveux. Mais bon, on est très, très content qu'il soit avec nous, on lui fait plein de confiance. Et voilà, j'apprécie beaucoup la qualité et le côté humain qui met dans toutes ces interventions. Donc, on va faire un beau chemin ensemble, je suis sûr. Voilà. Venelle est fière ce soir de célébrer une charmante volleyeuse que nous affectionnons tout particulièrement. Vive le sport, vive Venelle. Et comme on dit, allez les filles, on compte sur vous. Je vous remercie. Vous voyez bien que la communauté du Pays d'Aix aujourd'hui est fière d'avoir aujourd'hui quatre grands clubs de haut niveau parce que c'est la locomotive du sport, c'est la locomotive des valeurs. C'est pour cela que derrière, bien les clubs, les associations se déterminent et ont cette image. Et aujourd'hui, je vous souhaite, bien entendu, d'arriver à vous stabiliser et puis d'arriver à jouer le plus. Ça serait quelque chose de merveilleux pour vous. Voilà, merci. Mesdames, messieurs, donc moi je voudrais simplement remercier tous ces gens qui gravitent autour du club, parce que bon, ici tu jamais assez, ce soir Bernard qui nous a cité, tous ces gens qui travaillent autour de toi. Et je voudrais remercier aussi tous ces partenaires qui te soutiennent, Bernard, parce que sans eux, sans les collectivités, il n'y a pas de sport. Je vous remercie mes collègues élus de Venelle de me soutenir et de me suivre dans cette aventure. Et je pense que ce sera une super aventure car on verra Venelle en Coupe d'Europe.